Je crois qu'entre indépendance des petits, des moins petits et des plus grands, dessins, marathons, concours, rajoutez à cela des déguisements, en tout genre, vous aurez un bon aperçu de notre début d'année 2018-2019 à l'Athénée de Beyrouth. Comment mieux commencer l'année qu'avec de l'art? Avec de la nourriture! Exactement, mais si on additionnait les deux, ça donnerait... De la nourriture artistique. À peu près, mais cela donnerait plutôt des élèves qui dessinent de la nourriture. Nourriture! Calme-toi, mais oui. Pour leur premier projet, les options art ont redécoré le stand de... Nourriture! Ils ont donc dessiné dessus plein de magnifiquement baumés. Il faudrait peut-être lui donner quelque chose à manger à l'autre. Ben, il a déjà commencé à me manger la main, donc à boire. Et donc, tu me disais que t'as voyagé au Mexique? Ouais, c'était magnifique, mais l'espagnol, c'est pas vraiment mon fort. Les gens me parlaient et je ne comprenais rien. Tellement? Ouais, aucun mot. Écoute ça, je suis partie au resto et le serveur est venu et m'a parlé en espagnol. Et moi, j'ai essayé de me remémorer mes cours d'espagnol. J'ai réfléchi pendant longtemps avant de me rappeler que je n'avais tout simplement pas fait espagnol. Et toi, t'as voyagé? Non, tu sais, maintenant, avec la télé, tu voyages de ta maison. Je te comprends, moi aussi, l'autre... Ah, oups, ça rec. Désolé pour le contretemps. On a aussi assisté à la fête de l'indépendance des maternelles qui se sont fait belles et beaux pour l'occasion. Et comme à chaque fois, avec les maternelles, on a assisté à un défilé de mignonnerie. T'es sûre de ce mot? Non. Bon, j'ai vérifié et mignonnerie, ça existe pas. Bon, d'accord, mais en même temps, comment j'étais censée savoir? Car t'as étudié le français à l'école! Waouh, crie pas! Bon, en attendant que tu te calmes... Je suis totalement calme, allez, vas-y, je m'en vais. Ok, en attendant, toi, viens remplacer l'autre le temps qu'il se calme, s'il te plaît. D'accord. C'est là, paragraphe 5, commence. Vous voyez maintenant défiler la fête d'indépendance des primaires et des terminales? Eh bah oui, il n'y a pas que les maternelles qui peuvent s'amuser. Bon, après, les terminales ont quand même balancé des fumigènes, on est à un étage au-dessus. Reste sur le texte, Pichard. Mais il est fini, le texte. Et ton passage aussi, il est fini. Ah, Pichard, t'es là? Ouais, allez, on continue. Vous avez aimé vous déguiser? Alors vous allez être servi. Effectivement, entre Halloween et la Sainte-Barbe, on a eu droit à tout. Si le primaire a vu défiler des lapins et autres dans ses couloirs... Le collège a, lui, vu tout un corps médical et tout un bol de fruits. Tu oublies les dinosaures et encore mieux. Il y a mieux que des dinosaures? Il y a la nourriture! Alors oui, il y a ça et il y a une autopsie sur Jon Snow. Ok, là, tu as gagné. Ni hao. Mais qu'est-ce que tu fais? Je parle en chinois. Et pourquoi? Bah pour faire la transition, je sais qu'elle est nulle mais ça reste une transition. Et une transition pourquoi? Bah pour le concours de chinois. En effet, les élèves de chinois de l'Athénée ont participé à un concours. Et on a même compté une troisième place dans nos rangs. Même moi, j'ai appris une phrase en chinois. Écoutez ça. Oh mais wa, mo shinderu. C'est japonais en fait. Nani? Au passage, tu peux me dire c'est quand le marathon? C'est déjà passé. Déjà? Eh oui, et on y a envoyé des élèves. Et c'était comment? Bah faut leur demander, moi je suis pas partie.